Wir hier in der Kita Bessring haben 5 Kindergruppen, 3 Kindergartengruppen mit jeweils 25 Kindern und 2 Krippengruppen mit jeweils 11 Kindern. Wir sind insgesamt 21 Fachkräfte in der Einrichtung. Darunter zählen auch die 2 französischen Muttersprachlerinnen. J'ai un nom, un prénom, deux yeux, un nez, un menton. Dis-moi vite ton prénom pour continuer la chanson. Hola. Comment tu t'appelles? Hola. Tu t'appelles Hola? Bonjour, hola. Vor 20 Jahren hat das Ministerium ein Projekt gestartet und da kam dann unsere erste französische Muttersprachlerin hier in die Einrichtung. Das Ministerium hat diese für 3 Jahre finanziert und danach wurden die Muttersprachlerinnen von der Stadt Merzig übernommen. On appelle le chien? Ja. Alors, comment est-ce qu'on fait? Fort! Où es-tu? Peut-être qu'il est dans le piano. Tu veux regarder s'il se trouve dans le piano, Spot? Nein. Non. Qu'est-ce que c'est dans le piano? Un hippopotame. Wir sind seit 5 Jahren in dem Élysée-Projekt dabei und wurden vor 2 Jahren zertifiziert. Ich persönlich finde die Frankreich-Strategie eine sehr, sehr tolle Idee. Ich bin selbst zweisprachig aufgewachsen und hatte in meinem weiteren Schulleben, sage ich jetzt mal, sehr viele Vorteile dadurch. Und ich finde es sehr schön, dass die Kinder bereits in der Krippe die Möglichkeit bekommen, Französisch zu lernen, weil sie dadurch auf eine natürliche Art und Weise schon lernen, wie nachher dann in der Schule. Tu as mangé les gâteaux? Die strengen sich beide die Zunge raus. Non, ich komme aus... Deine Backe wird rot. Oh, ich komme aus der Backe. Qu'est-ce que c'est ça, c'est là? Joue. La joue devient rouge. Tu as mangé le gâteau? Et l'autre... Cela fait 20 ans que je travaille à la maternelle de Bessringen. Et c'est un métier formidable de travailler avec les enfants et de pouvoir leur inculquer ma langue maternelle. Elle est plus rouge. Elle n'est plus rouge. Elle s'est calmée. Et là, qu'est-ce qu'ils font, les deux ours? Qu'est-ce qu'ils font, les deux ours? Ils mangent tous les revers. Et ils mangent ensemble. Ils mangent... Les enfants de la maternelle sont entre 3 ans et 6 ans. Nous travaillons selon l'immersion quotidienne, de parler le français donc toute la journée avec les enfants, que ce soit des petits ou des grands. Nous accompagnons les enfants et nous jouons avec eux, nous lisons des histoires. Ce sont les mains. Mains. On secoue les mains. Nous travaillons selon le principe une personne, une langue. C'est-à-dire que nous ne traduisons pas, si l'enfant ne comprend pas, ce n'est pas grave, on le laisse. Et l'enfant, au fur et à mesure des années, comprend de mieux en mieux. À la fin de leur scolarité maternelle, ils partent avec un bon bagage linguistique français. La coquine. Très bien. Un jour dans sa cabane. Le concept de la stratégie française, c'est une très, très, très bonne chose d'apprendre une langue étrangère dès la crèche, qu'ils puissent l'apprendre sans que ce soit scolaire, par la mélodie de la langue. Dans la stratégie française, permet donc que les enfants apprennent d'une façon naturelle la langue et pour plus tard à l'école qu'ils aient déjà un bagage linguistique, qu'ils puissent être bilingues et profiter de cet avantage. Olé, olé, banjo, oh, 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 oh. Très bien!